On est en train de préparer notre gear, on s'en va dans le nord. Caro en train d'attendre après le pays Belle-Île. Tout en retard, c'est cool. Ça n'a pas de sens. Il fait chaud en plus, on est super bien. Prends ton tabarnak. Hey, lève-là le pays Belle-Île. Ben oui, on va faire le stock. Encore en retard. Comment ça, encore en retard? Vous avez mis le temps de paquer, vous avez rien fait, mais c'est pas ça ce monde. Un gros imprévu avant de partir. Trois jours plus tôt, notre motel a passé au feu. Donc, il a fallu se revirer sur un dixième, puis on a réussi à se trouver un appartement à la dernière minute. Donc, on a pu installer notre stock pour la fin de semaine, puis se préparer pour le lendemain matin. J'ai mis mes pâtes dans la sauce, pas l'inverse. Pas important. T'as-tu mis un petit peu d'eau de cuisson? Ouais. C'est bon, ça. Ouais, ouais. C'est ça que Ricardo dit de faire. Ricardo, il fait une sauce à spag, pis tout, pis après ça, il m'a dit un peu de nourrisson. La meilleure! On va faire un petit sandwich pour la route. Phil qui a mal à la vie à matin. Ouais, une longue journée pour Phil, après moi. J'espère que tout aille bien. Après deux petits nélons, il devrait être en business. Oui, bonjour, pas chaud pour 5 ans matin? Pas chaud, ça pas panneau! 7h48, première à peu près pour mon jour de la journée. Je m'ennuyais. Bonjour, faut s'attendre à quoi pour les oiseaux un matin? Là? À matin, mon homme, il va mouiller de la plume. Non, honnêtement, je sais pas trop. Là. J'étais monté avant les fêtes. Fallait que je monte dans le nord pour la job. Puis je n'avais pas vu tant que ça. Même, pour pas dire pas en tout, j'en ai vu deux, trois. Puis sur Internet, là, dans les groupes de chasse, là, il paraît qu'il était pas arrivé où ce qu'on chasse habituellement. Là. Fait qu'on va peut-être pas être obligé de monter plus haut, là, mais je suis pas inquiète. Je suis certain qu'on va en voir. Yes, mon homme! Nice shot, man! Vas-y, yeah. Vas-y! Ouais! Oh, ouais, man! Ouais, c'est la farce, ouais! C'est loin, là. Tu me l'approches, on peut se rapprocher! Oh, nice shot! Good job! Puis bon Phil, satisfait de ta journée à date? Satisfait, puis pas rien qu'un peu. D'après moi, si j'écoutais mes deux chums un matin, là, on restait dans le loyer puis on buvait de la bière. Ouais, ouais. On avait ouais, fait ouais. De rester positif, d'après moi, parce que là, plus qu'on avance, plus qu'on envoie, puis ça va bien, on a une coupe de ramasser, fait qu'on continue. Yes! Solide, mon Fred! Hey, c'est le fun pour mettre des raquettes? T'en regrettes-tu? C'est de la semaine et vite! C'est beau poulet, ça? Ouais, c'est payant, ça? Ouais, ça va être bien fait, tu sais.
Puis mon Joe, comment ça va ton oreille? Ça va pas fort, t'es pas fort. Ça va le faire, mais c'est pas chaud. C'est pas chaud. Toi, mon fil, on est rendu où ici? On est au 3-4 territoire radio. On vient voir ça pour la première fois. J'avais moins 38 ressenti à ma tête, mais d'après moi, on est en haut de ça ici avec le vent. Je pense que oui. Mon oreille t'a dit que oui. Le thermomètre, je sais pas ce qu'il dit, mais l'oreille dit qu'il fait moins 40 points. Puis bonjour, la chasse aujourd'hui. Calice, ça a pas été facile. Il faisait fret en tabarnak. Puis de bord que moi, j'aime ça l'hiver. Fait que j'étais heureux au bout. Non, mais ça va faire. Il a fallu monter plus haut. On a manqué de l'asphalte en masse. Là. Les gopiers n'avaient pas descendu aussi bas qu'on pensait. Fait que. On a fait de la route en masse, mais finalement, là, ça valait la peine là, parce qu'on a fait toute une chasse finalement. Fait que... Ouais, ça a bien fait. Un beau résultat malgré la température. Et le plus mesé le matin. Masque. Comment Joe? Réveille un matin. Correct. Ouais.